Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Aldi de Lille-Adam pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale promotion. Comme vous le savez, le mardi, c'est un gros jour de promo chez Aldi, donc je vous propose qu'on y aille sans plus attendre. Je vous emmène. Allez, on n'a qu'à commencer tout de suite avec les pêches plates à 1,99€, la barquette d'un kilo, origine Espagne. Pas mal du tout. Et à côté, on a quoi? On a des abricots à 3,29€ le kilo. Et ça, c'est origine France. Le melon, donc c'est du melon bio. Il est à 1,99€ la pièce. Il est comme ça, dans un petit filet. C'est origine France aussi. Ouais, les pêches plates, elles sont bien parties. Hein. On a ici les tomates rondes grappes bio. Ça, ce sont des barquettes de 600 grammes. Et elles sont à 1,99€ aussi. Ce qui fait 3,32€ le kilo. Elles sont belles en tout cas. Hein. Donc bio, grappes et tomates rondes. À côté, on a des concombres à 69 centimes la pièce. Donc ça, c'est pas mal. Origine France. Et les bananes que vous voyez là en bio, elles sont à 1,59€ le kilo. Origine Côte d'Ivoire. Certifié fair trade bio. Je propose qu'on aille voir. Pas ici, on a un gros arrivage de produits bio aussi. Donc dans les best-of, qu'est-ce qu'on a? On a du pain d'épices à 2,49€. Donc ça, c'est un pain d'épices à l'ancienne avec 25% de miel. Il fait 400 grammes. J'adore le pain d'épices. Les petits beurres bio, ils sont à 1,05€ le paquet de 175 grammes. Donc ça, c'est vraiment toute la gamme bon et bio hein, qui est la gamme... de produits bio de chez Aldi. Les galettes que vous voyez là, elles sont à 1,99€. C'est une saveur noisette. Jamais trop goûté les produits de chez Aldi en gamme bio, j'entends. On a des compotes de pommes ici en gourde. Il y en a 12 des gourdes et ça coûte 3,69€. C'est du sans sucre ajouté. Céréales bio au choix, donc 2,99€. On a des paquets de 200 ou 300 grammes. Amarante soufflée, les 300 grammes, donc 2,99€. Ici, on a du quinoa soufflé aussi. Donc ça, c'est des paquets de 200 grammes. Les fruits secs bio, ils sont à 2,39€. Donc il y a des figues moelleuses comme ça. Ce sont des paquets de 250 grammes. On a des pruneaux ici, très gros. Pareil, 2,39€ les 250 grammes. Et pour finir, ce sont les abricots moelleux. Pièces, ils sont... jamais vu des abricots noirs comme ça. Tiens, c'est marrant, ça. Toujours, donc, 250 grammes, 2,39€. À côté, pour les petits snacks, on a les amandes décortiquées à 2,99€, les 150 grammes. Hop, je descends ici. On a du muesli à 3,79€, les 400 grammes au choix. Donc là, il y a aux fruits, comme ça. Donc, c'est des fruits cerises, cassis, lyophilisés. Et on a ceux-là au chocolat. Ouais, il y a ces deux sortes, ils sont pas mal. 3,79€, les 400 grammes, ça fait 9,48€ le kilo. Les boissons végétales que vous voyez là, elles sont à 1,85€ le litre. Donc c'est la marque Björg. On a du lait de coco. C'est super bon pour la santé. On a du lait d'épeautre et noisette. Donc 100% végétal. Et je crois que c'est tout. On a ces deux sortes. Donc 1,85€ le litre. Les graines, ça c'est toute ma vie. J'adore dans les salades. On a trois variétés ici. Ça coûte 1,99€. Donc la première variété, c'est celle-ci, les graines de courge. J'adore pour manger seul ou dans une salade. Je trouve ça super bon. On a les graines de tournesol. Bon, ça c'est un grand classique. C'est des paquets de 650 grammes. Et la dernière variété, c'est le mélange. Et là, il y a 275 grammes à 1,99€. Donc là, on a des graines de courge, on a des graines de sésame, on a des morceaux de noix de cajou. Super, même pour le matin, mettre dans ces petites... dans ces préparations, là, vous savez, fromage blanc et tout ça, c'est pas mal. Et ici, ce sont des cacahuètes en coque, donc bio toujours, hein, 1,69€, le paquet de 250 grammes. Côté boisson, ici, on a du jus de pomme. C'est la marque Pressade. Ouais, 1,45€ et là ce sont des briques de 1,5 litre. Au-dessus on a des ananas en morceaux à 1,65€.
C'est au sirop léger à 190 grammes. Et enfin, par ici, on a encore des fruits, ce sont des mangues. Mangue en tranche au naturel. 1,99€ les 220 grammes. Ça donne envie tout ça. Hein, ici, c'est quoi ça? C'est du pur jus d'ananas bio, les 75 centilitres à 2,09€. Couscous bio. Alors, couscous bio ou semoule au choix. 1,99€ les 750 grammes. Donc le couscous et la semoule, elle est ici, c'est de la semoule de maïs. Hein, je sais pas ce qu'on peut faire avec la semoule de maïs, de la polenta à part ça. 1,99€. Ça, c'est 800 grammes pour la semoule. Ici, on a un vinaigre de cidre. J'adore ça pour les salades. C'est 99 centimes. Les 50 centilitres que voici. L'huile d'olive, elle est à 4,99€ les 75 centilitres. Elle est sympa, la bouteille, d'ailleurs. Comme ceci. Ici, on a des pâtes. Tagliatelle bio aux œufs frais à 95 centimes. Et là, c'est des paquets de 250 grammes. Huile de coco bio 250 ml, 2,29€. Hop. Allez, j'ai pas fini avec les promos. Regardez, on en a d'autres. Là, c'est la partie non alimentaire. Qu'est-ce qu'on a en non alimentaire? On a des lingettes Intima. 3 paquets de 60 lingettes. Non, 3 paquets de 20 lingettes, excusez-moi. 3,56€ au lieu de 5,09€. Donc pour l'hygiène intime. Au-dessus, on a le gel extra doux comme ceci. Alors, c'est un lot également. Il y en a deux. C'était 5,09€ et ça passe à 3,56€. C'est la gamme extra doux. À côté, on a une eau démaquillante Barbara Gould à 2,52€. Le 7 en 1 micellaire. Nettoie, purifie, rafraîchit, tonifie, hydrate et adoucit. Moi, j'utilise ça régulièrement pour démaquiller mon visage et tout ça, ça marche bien. Parce que je démaquille mes yeux avec un produit spécial, enfin démaquillant, vous savez, avec les deux solutions là, waterproof. Et après, pour nettoyer la peau, je fais avec ça. Et ensuite, je nettoie avec mon savon pour le visage. 2,52€ les 400 ml, 4,20€. On a du dentifrice en promo ici, donc Signal, le lot de 2,15€. C'est 2 fois 75 ml. Et c'est la gamme Intégral 8 Coco Blancheur. Jamais essayé, tiens, celui-là. Pas mal, ça. Ça fait 1 et quelques le tube. Les Protège Slip Vanilla. 1,25€ au lieu de 2,09€. Alors, on a cette gamme. Par 56. On a celle-ci. Et on a celle-ci. Je vois pas trop la différence puisqu'en termes de gouttes c'est pareil. Fraîcheur longue durée, ouais, je confort, je vois pas la différence, hormis la couleur du paquet. 1,25 au lieu de 2,09. Regardez pour les enfants, on a quoi ici? On a du thé glacé en briquette de 6, ça coûte 1,49€. Goût pêche, 6 fois 20 centilitres. Et ici on a une petite citronnade, c'est super sympa ça quand il fait chaud, mais bon. C'est pas le cas, hein. On peut la mettre au frais d'ores et déjà, peut-être que le soleil reviendra. 1,5 litre à 1,09€, c'est la marque Fruima, qui est la marque de chez Aldi. Je continue par ici. Demain, il y a un bel arrivage aussi, le mercredi, là. Ce sera sur maison, il y a du linge de maison, et de toute façon, je serai là. Donc, soyez au rendez-vous si vous aimez Aldi, tout comme moi. Ici, regardez, on a un petit truc sympa, là, 9,99€, c'est un porte-épices. Et il y a avec 14 flacons. Donc là, on a vraiment tout. On a la cannelle, mix pour poisson, mélange couscous, mélange d'épices, grillade, chili con carne, poulet. En dessous, vous avez basilic, origan, marjolaine, estragon, laurier. Et ça coûte 9,99€. J'aime bien la petite étagère comme ça. Je trouve que c'est mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est chou. Et en plus, après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez racheter vos petits pots d'épices. La taille, elle est standard. Vous pouvez continuer de les mettre pour les ranger proprement. 9,99€. À côté, on a des Barilla 1 kg à 97 centimes au lieu de 1,39€. Ça fait 42 centimes de remise immédiate. Les chips à l'ancienne, vinaigre échalote.
1,15€ le paquet de 125 grammes. Pas mal. Ici, ce sont des petits toasts ronds pour l'apéro, super sympa. Donc, on a la version au sel marin. Il y a 250 grammes par paquet. Ils sont troués au milieu, vous voyez, ça fait comme des petits donuts. Donc, on peut mettre des petites tapenades dessus. On a cette version-là, méditerranéenne. Donc, ça, c'est tomate, olive. Et ici, on a à l'ail. Je pense qu'à l'ail, ça doit être les meilleurs. J'aime bien les toasts à l'ail, sympa. 99 centimes les 250 grammes. Waouh! L'eau de café moulu, c'est stylé. Hein. 1,5 kg, 7,99€. Donc, c'est 3 paquets de 500 grammes. On a le décaféiné, on a le doux et on a le tradition. Donc, de la marque Marcus, qui doit être la marque de chez Aldi, je pense. 7,99€, 1,5 kg, ça fait 5,33€ le kilo. Les graissins que vous voyez là, c'est aux olives noires, mais il y a plusieurs sortes. Ça coûte 95 centimes le paquet de 200 grammes. Donc ça, c'est olives noires. Et on a aux oignons ici. Et là-bas, on a au romarin. 95 centimes. Allez, pour les plus gourmands, on a des petits brownies au chocolat, comme ça, à 2,50€ les deux paquets, au lieu de 3,79€. Donc ça fait 1,29€ de remise immédiate. Dans un paquet, il y a 6 petits brownies, ils sont super bons, j'ai déjà goûté. 2,50€, ça fait 1,25€ le paquet, c'est pas mal. Et ici, vous avez des cannelés de Bordeaux par 12. Alors ça, je suis désolée, je ne sais pas s'il y a des bordelais dans la place. J'ai du mal avec ces petits gâteaux, j'y arrive pas. 1,59€, peut-être que c'est le goût du rhum, je sais pas. 1,59€ le paquet de 12. Et là, on a un petit gâteau breton. Bon, ça, je préfère. Hein. Beurre, sucre, voilà, ça me ressemble. 3,99€ les 500 grammes. Donc, c'est au beurre véritable. Hein. 3,99€ le gâteau breton. Le lait, on a toujours une super offre qu'il y avait déjà, mais qui est toujours là. Hein. À 6,20€ les 9 briques d'un litre. Et donc, du coup, au litre, ça fait 69 centimes. Hein. C'est du Lactel. Ça, c'est un super prix, je pense. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à commenter, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.